Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre comment je décolore mes cheveux doucement, sans trop les abîmer. Et voilà, à petite étape par étape. Hein, voilà, je vous expliquerai ça, je vous explique ça dans la vidéo. J'ai mis le foulard exprès pour que vous ne voyiez pas le résultat tout de suite, pour qu'il y ait le suspense jusqu'à la fin. Alors, je vous laisse regarder. Donc, je vous montre en marche blair. Voilà, donc ça fait 2 jours que je voulais faire la vidéo, mais un peu la flemme et tout ça. Du coup, j'avais mis de l'huile, donc ils sont bien sales, ils sont bien crades. Et là, comme on peut voir, j'ai des grosses racines. Pourtant, j'ai fait la teinture il y a un mois et demi peut-être, je sais pas. Et voilà, donc tout ça c'était blond avant, hein. On voit bien que c'est beaucoup plus clair que les racines. Les racines elles ont très bien pris en fait la couleur. Bon, c'est ma couleur naturelle évidemment aussi, mais certainement qu'il y a encore de la teinture dessus, hein. Donc voilà, je vais le faire avec ça. Belle color, blond très très clair naturel. Évidemment, je ne vais pas devenir blonde comme ça. Hein. J'aime pas trop. J'aime pas trop. Moi, j'ai ma belle sœur qui m'a dit qu'elle est brune aussi comme moi. Et elle prend blonde mi. Et ça marche super bien. Mais elle a les cheveux très courts. Hein, et elle se les coupe très régulièrement. Et forcément, bah, les cheveux abîmés, ça ne se voit pas. Donc, moi, je préfère quand même faire tout doucement, même si je ne suis pas de cette couleur-là. Ce sera toujours un petit blond foncé, avec des petites racines un peu dans les tons roux. Comment qu'on dit? Blond acajou. Enfin, voilà. Bah, de toute façon, moi, je ne suis pas une pro, donc... Voilà, c'est un petit peu au bonheur la chance. Et après, je vais rectifier un petit peu avec le bleu, avec le temps aussi, les lavages, ça va s'éclaircir un petit peu plus. Et puis, s'il faut, je referai encore cette teinture. Souvent, voilà, je vais mettre tout parce que là, les racines, elles sont énormes. Quoi, il y a du boulot, quoi. Et sinon, d'habitude, je mets la moitié du produit. Quand je suis comme vous me voyez dans les précédentes vidéos, je mets la moitié, la moitié du tube, quoi. Voilà, je mets la moitié de l'autre. Et puis, je fais que les racines. Hein, j'ai pas besoin de faire le reste. Voilà, on y va. On se lance. S'il le faut, après je mettrai en accélérateur, hein. Comme ça, que là j'ai même pas besoin de passer le petit pinceau. Les petits cheveux devant, j'évite d'en mettre tout de suite. Hein. Moi, elle pue pas cette teinture. Elle pue pas trop.
Et voilà, ça. Ouf, je sens le. Voilà. Donc là, je commence à en mettre un petit peu là. Et là, je vais attendre. Je vais attendre un peu, 20 minutes. Et ensuite, je mettrai le reste sur celle-là. Pour pas trop les dessécher. Parce que celle-là, c'est déjà. Elles sont déjà décolorées. Décolorées. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, allez, on va attendre un petit peu. Donc là, ça fait 20 minutes. Je vais placer sur le reste. Voilà, comme ça. Mais il n'en restait pas beaucoup. Et comme ça, je vais tout faire. Je pense que si vous avez les cheveux longs, franchement, un truc, ça va pas suffire. Hein. Enfin, moi, perso. Ouais. Là, c'est vraiment, regardez, déjà, il n'y en a plus. Hop là. Donc. Là. Je malaxe, je malaxe. Malaxé. Et. Et voilà. Bon, c'est marqué 30 minutes dans ma boîte. Mais je vais laisser un peu plus. Parce que je pense pas que ça va. Sinon, ça va décolorer. Ça va pas décolorer assez. Alors, je vais attendre un peu. Je remasse derrière. Pour que ça. Ça s'éparpille partout. Voilà. Hein. Et hop, c'est reparti pour 20 autres minutes. Allez, ça fera 40. Parce qu'en fait, c'est une coloration, hein, la boîte que j'ai achetée. C'est une coloration, mais c'est quand même marqué éclairci jusqu'à je sais pas combien de tons. Donc, voilà. Donc, hein, c'est pas... Moi, je m'en sers comme coloration, puisque ça va me colorer quand même les cheveux blancs qu'il y a... Voilà, on ne se voyait pas trop, quoi. Hein. Ça va me... colorer un petit peu les cheveux blancs et ça va me décolorer un peu les racines. Donc je laisse un peu plus longtemps. Allez, j'espère que j'ai bien fait partout. En tout cas, pour l'instant, ça va, ça m'a pas piqué la tête. Donc là, j'ai mis du bleu, j'ai rincé. Je pense que on n'a pas atteint les objectifs voulus, mais ça va être pas mal. Donc, moi, je mets carrément le bleu de des anges. C'est le blond californien, correcteur de blond. Bon, ça me dure un an. Hein. Alors, n'en mettez pas sur le cuir chevelu, hein, ça crame. Hein. Je vais mettre en même temps ce masque qui est super, c'est tout le temps le masque que je me sers. Il n'est ni trop cher ni pas cher. C'est Schwarzkopf, traitement pour cheveux matures et fragiles. Il te laisse des cheveux tout neufs. Voilà, donc ça va faire deux en un. Je vais faire pareil. Voilà, comme ça, le bleu il va agir et le masque aussi. Il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne pour agir. Il est très efficace. Il coûte 20 euros, je crois. Mais franchement, j'y suis satisfaite. Wouh! J'ai peur. Bon. Je vais laisser bien agir. Je vais avoir les cheveux rouges ou quoi? Ah, Rukmout. C'est pas grave, j'aime bien le roux, ça me va bien. Donc, bon, pour l'instant, on va attendre un peu. Voilà. Voilà. Et
Et encore, j'ai laissé plus. J'ai laissé plus que 40 minutes, hein. J'ai dû faire 30, ouais, presque 50 minutes, hein. Mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est pas un décolorant. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà le résultat. Donc c'est pas trop mal, hein, pour un truc fait à la maison. Je vous avais dit que j'allais pas être blonde blonde, hein, c'était on décolore tout doucement sans trop abîmer ses cheveux. Ils vont devenir avec le temps, alors le produit il est quand même sur le cheveu, hein, il va finir par décolorer au fur et à mesure du temps. Et ils vont devenir un peu plus clairs, mais même comme ça, j'adore, je ne sais pas si on voit bien, voilà, on voit bien là quand même qu'il y a quand même les reflets blonds qui ressortent là, c'était ce que j'avais avant en fait, et tout va redevenir comme avant. Donc, bon, les racines un peu ratées ici, mais bon, je... Mais après, là, c'est bien fait, hein. On voit bien quand même ici que c'est bien fait. Mais le problème, c'est que j'ai toujours peur de mettre trop de produits devant. Parce que comme c'est des petits cheveux, je vais faire attention. Et puis, c'est mon style, hein. C'est mon style de laisser quelques petits défauts par-ci, par-là. Sinon, ça ne le ferait pas, quoi. C'est, faut qu'il y ait une signature, quoi. Donc, tu vois, ça fait partie de... Teresa Blush, elle oublie des petits morceaux. Bon, après, voilà, c'est pas bien grave. Hein. Y a eu une période où la mode, c'était de garder les racines foncées et le reste plus clair. Donc, moi, je suis trop contente. Alors, je vous ai montré le bleu, le masque. Ensuite, je me suis séché les cheveux. Alors, je fais mon petit brushing avec ce petit rouleau qui est très bien. Voilà, je tire, je fais comme ça, j'attends, hop, il se pose. Et voilà, c'est grâce à ça que j'arrive à me coiffer. Ensuite, avant de mettre le rouleau, je mets cette crème. C'est une crème lissante pour cheveux rebelles. Mais bon, moi, ils ne sont pas rebelles, mais en tout cas, ils protègent hyper bien de la chaleur. Donc, c'est Schwarzkopf BC. Franchement, c'est super. Et ça, ça dure hyper longtemps parce qu'on n'en met pas une tonne. On met une petite noisette un petit peu partout. Ensuite, une fois que j'ai fait ma petite coiffure, je mets cette petite huile sur le bout des pointes. Huile de soin précieuse glisse. Elle est pas chère et elle est trop bien. Et elle sent trop bon. Mais elle sent trop bon, j'adore. Et elle ne rend pas les cheveux gras. Alors ça, c'est vraiment super. Je suis très contente. Et après, pour fixer mes petites boucles, j'ai le... D'ailleurs, j'en ai presque plus. Elle est presque plus. Mais il n'y en a pas besoin de beaucoup. Hein. C'est juste un voile de cire que je fais chauffer dans mes mains. Et ensuite, je fais comme ça pour relever mes petites boucles. Je les repose comme ça, je laisse bien chauffer. Et voilà. Voilà, ben je suis très contente du résultat. Voilà, je fais ma petite décoloration et je suis super contente. Et bien sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à commenter la vidéo. Et puis si vous avez d'autres méthodes plus simples et pareilles, qui n'abîment pas trop les cheveux, n'hésitez pas à me le dire. Sur ce, ah oui, n'oubliez pas de liker, de vous abonner aussi. Ça me fera toujours plaisir. Et bien je vous dis, portez-vous bien. Bye.